Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur les fleurs et la reproduction, donc comment avoir certains coloris de fleurs. Donc ici évidemment j'ai repris toutes les fleurs que j'avais pour les lys. Lorsque j'ai commencé par ça parce que bon, je vais faire du plus simple au plus compliqué pour un peu me faciliter la tâche. Donc je vais jouer avec, je vais faire ça avec deux switches. Tout simplement parce qu'il y a quelques petites choses à savoir avant de commencer. Donc, par facilité, j'ai pris des arrosoirs en or. Tout simplement parce que sur un arrosage, elle fait 9 cases, donc ce qui ira plus loin et moins de cases en plus. Et si j'ai un deuxième personnage sur mon île ici, qui est de ma deuxième île, c'est tout simplement parce que plus on fait arroser les plantes par des, enfin les fleurs par des inconnus, plus il y a de chances d'avoir des hybrides. À savoir évidemment aussi que s'il pleut sur votre île, ça ne sert à rien que vous arrosiez. De même que si vous avez déjà arrosé, ça ne sert à rien d'arroser avec un autre personnage de votre île. Ça ne fonctionnera pas, ça compte pour une seule et unique personne. Arroser les îles plusieurs, enfin les fleurs plusieurs fois par jour, ça ne sert à rien non plus. Ça n'augmente pas les chances d'avoir des hybrides. Et de même, les arrosoirs en or n'augmentent pas les chances d'avoir des hybrides. Donc, je vais juste le prendre et me l'équiper. Ah oui. Forcément. Voilà. Donc ça sert à rien d'avoir le plan pour débloquer ça aussi tant que j'y suis. Ça le débloque automatiquement. Voilà. J'ai apporté ça parce que ce sera beaucoup plus simple pour vous faire les explications. Donc je vais commencer avec mon personnage pour arroser. Donc déjà petite, je vais expliquer pourquoi j'ai mis comme ça. Donc il n'y a pas forcément de meilleure solution, de meilleure façon de mettre. C'est juste qu'ici j'ai regardé pour avoir que j'aie toutes les hybrides possibles en même temps, parce que comme vous pouvez le voir sur le côté, pour avoir des lys roses, soit vous avez le mélange blanc et rouge qui fonctionne à 50%, soit il y a la possibilité d'en avoir en utilisant deux lys rouges, mais ça fonctionne qu'à 25%. Et dans 25% des autres cas, ce seront des lys noirs. Donc, qui seront obligatoires à avoir comme ça. Et évidemment, les rouges doivent aussi être en contact avec les jaunes pour pouvoir avoir des lys oranges. Voilà, voilà. Donc, je vais commencer avec ce perso pour l'arrosage. Ça, vous commencez avec ce que vous voulez. Si vous avez plusieurs îles, vous pouvez demander à des amis de venir arroser, par exemple. Je sais qu'à un moment aussi, il y avait des gens qui payaient carrément pour faire arroser sur leurs îles. Mais voilà. En fait, plus on arrose les fleurs, avec des personnages différents, plus le clignotement, on va dire, sera... Enfin, le clignotement d'arrosage sera fort. Donc voilà. Ah. Voilà. Donc maintenant, je vais passer avec mon deuxième personnage, évidemment, qui va de même arroser. Et vraiment, les chances augmenteront à chaque fois. Mais vous ne pourrez pas, par exemple, avoir... Enfin, vous n'aurez pas plus de chance au-delà de 5 personnages qui seront passés à arroser votre île. Les personnages qui passent à arroser votre île peuvent être de la même île, ça, il n'y a pas de souci. Tant que ce ne sont pas vos personnages à vous, quoi. Donc voilà, ici, on voit que ça brille un peu plus, donc ça veut dire qu'elles sont... arrosées, qu'elles auront plus de chances de donner des hybrides. Donc, je vais retourner déjà avec mon premier perso sur son île. Comme ça, ce sera plus simple. Évidemment, ça peut prendre du temps, puisqu'il y a tous les voyages et tout ça à faire. Mais bon, ça en vaut la peine pour avoir certaines fleurs rares, comme par exemple
les roses bleues, hein. Ça, ce sera en dernier. À mon avis, elle aura sa section rien qu'à elle, celle-là. Vu la difficulté que c'est de l'avoir. Mais bon, on n'y est pas encore, les roses, c'est en dernier. C'est vraiment les fleurs où il y a le plus de mélange et aussi où il y a le plus de trucs compliqués à avoir, on va dire. Surtout très précis. Donc ici, je vais faire un premier time travel. Il n'y a qu'un lisse jaune que je n'ai pas utilisé parce que bon, j'avais plus vraiment la place pour mettre. Et bon, je me dis, le lisse orange, ça a quand même très vite à avoir. Pareil pour le rose. On verra après. Donc, évidemment, j'ai avancé la date. Je ne sais pas pourquoi ça me fait ça, hein. Évidemment, la date n'est plus du tout pareille par rapport à là où j'en étais la dernière fois. C'est tout à fait normal. J'ai fait du time travel pour avoir de l'argent. J'avais planté des légumes partout pour me faire de l'argent. J'en étais à je sais plus combien de millions. Mais ça a grimpé très très vite. J'ai d'ailleurs dégagé tout ce qu'il y avait. Sur un gros côté de l'île, on va dire, et j'ai gardé qu'un peu pour me refaire une réserve pour replanter plus tard, que je n'ai pas encore enlevé, bien entendu, hein. Ça, ce sera par après, mais c'est pas grave. Donc, maintenant, on va aller voir. Donc, il se peut qu'il n'y ait aucune fleur qui pousse, c'est normal. Des fois, il faut du temps, c'est comme en vrai, on va dire, hein. En plus, là, que deux personnages carreaux, ça donne pas énormément de chance. Vraiment, le mieux, c'est à partir de trois arroseurs, donc vous plus un autre. Et si je peux vous conseiller vraiment un truc, c'est de vous caler sur des jours de pluie. Donc, genre, par exemple, quand vous avez deux, trois jours de pluie de suite, bah, faites du time travel vraiment et faites sur ces jours-là de pluie. Comme ça, vous n'avez pas grand-chose à faire. Et ça s'arrose tout seul, quoi. Où sont mes fleurs? Ah. Alors, bah ici, bah, on a un plant, deux plants. Je crois que c'est une blanche et une jaune. Ça, évidemment, ça peut arriver aussi, ça donne pas systématiquement des hybrides. Ben voilà, j'ai eu deux nouvelles blanches. Donc ici, je vais réarroser. Après, je vais aller ouvrir pour ma deuxième île. C'est long et c'est chiant, mais c'est à faire. Les fleurs que j'ai eues comme ça, j'ai toujours les gardées. Tout simplement parce que ça peut me servir par après pour faire des autres champs, on va dire, et augmenter mes chances d'avoir des fleurs. Ici, je n'ai que 5 plants de chaque, donc c'est pas énorme. Vraiment, à partir de 10 plants de chaque, j'aurais eu beaucoup plus de chance déjà. Ça va être long. Bon, ça va, je sais quand même faire les deux en même temps, donc il y aura juste la scène de passage d'une île à l'autre qui se fera. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant que je pourrais vous dire sur les fleurs? Déjà, ne vous braquez pas si ça va pas, franchement. Faut juste de la patience, ça peut prendre un peu de temps. Et donc, comme vous pouvez voir sur la petite image que j'ai mise pour savoir les fleurs qu'il me fallait, vous pouvez voir par exemple pour la fleur rose du dessus que vous avez
un petit R et un petit W. Donc ça, c'est le gène en fait de la fleur. C'est ce qui va indiquer par exemple sur d'autres espèces, bah, pour dire, bah, voilà, par exemple, s'il faut deux fleurs bleues pour faire une orange, bon, ce qui n'est pas le cas, mais qu'il y a deux façons de les faire, il faudra bien regarder, parce que comme vous pouvez déjà le voir sur la photo là, vous avez deux fleurs roses, mais les deux, donc il y en a une avec un petit R et W, et l'autre c'est R, W, mais en majuscule. Donc ça veut dire que ce sont deux roses, enfin deux lys roses différents, donc qui n'ont pas du tout les mêmes gènes. Voilà, voilà. Ça, c'est à prendre en compte. Aussi, ici, vous pouvez voir que toutes les fleurs ont des petites graines dans les bases. Ça veut dire que ce sont des fleurs basiques, donc soit celles qu'on a sur notre île, sur les îles Mystères aussi, mais alors ce sont aussi celles que vous avez en graines en achetant chez Racine ou dans la boutique Nook. Alors, petit arrosage. Deuxième petit arrosage. Mais franchement, si vous pouvez venir faire, enfin vous, si vous pouvez faire venir 3-4 personnes sur votre île, vous augmenterez déjà grandement les chances d'avoir des hybrides. Donc voilà, j'ai arrosé donc avec mon personnage. Maintenant, je me barre. À savoir que faites attention avec le bouton moins. Moi, je le fais ici pour aller plus vite. Mais il y a déjà eu des soucis. Si jamais il y a des personnes, par exemple, qui vous volent des choses pendant que vous faites ça, si vous devez dégager la personne, n'appuyez pas sur moins parce que ça sauvegarde. Donc, vous aurez perdu vos objets. Vous pouvez éjecter en appuyant sur le bouton power. Voilà. Après, ça peut créer des problèmes, mais bon. Enfin, au moins, on ne vous vole pas. En vrai, ne le faites juste pas quand il y a un petit bouton de sauvegarde. Enfin, que le petit truc de sauvegarde s'affiche. Sinon, il n'y a pas de problème à appuyer juste sur power. Tant que vous n'avez pas en haut à droite le truc, le rond qui signale que c'est en pleine sauvegarde. Donc, je prépare déjà pour la suite. Ça risque de prendre un peu de temps avec tous les écrans de chargement en fait. Ça, c'est vraiment le truc agaçant. Deux ans plus tard. Heureusement que je ne dois pas faire ça sur mes deux Switch. C'est quoi ça? Désolé, faut que je regarde un truc. Oh putain. Bon, ça va. Toujours pas relancé, lui. C'est ça, retourne à tes activités, laisse-nous tranquille. C'est dommage qu'avec la Switch Hack, je ne peux rien faire pour zapper Marie. Franchement, je le ferais juste pour ça. Pour avoir déjà ça de gagner en temps. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah! Oh bah parfait! On a la plus difficile à... Enfin, une des plus difficiles à avoir en un rien de temps, voilà. Première hybride, c'est une noire. Parfait. Ah, on a une rose aussi. Donc en somme, il me reste plus qu'une orange à avoir. À savoir aussi que... Vous pouvez isoler certaines fleurs, elles peuvent se dédoubler. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le lys rose là. Donc à partir de ce moment-ci, comme ça, les fleurs peuvent déjà se reproduire.
Franchement, n'hésitez pas à les replanter comme ça. Moi, c'est ce que j'avais fait avec une rose bleue. Et bah, le lendemain, j'avais une deuxième qui s'était dédoublée, donc. Ici, je ne vais pas les arroser parce que je n'en veux qu'une de chaque, en fait. Donc, je virerai le trop-plein même dans les basiques par après. Donc ici, il me reste vraiment plus que l'orange à avoir. Maintenant, je continue quand même à arroser les autres. C'est pas plus mal non plus. Vais le mettre ici. Et dire que le lys noir, j'avais eu un souci sur ma première île, c'est que j'arrivais pas à en avoir. Enfin, si, j'en avais eu un, mais après ça ne suivait plus, j'en voulais au moins deux. Ce que j'avais fait donc, c'est que j'avais un ami qui avait donc enfin lui aussi un lys noir. Il est venu le mettre chez moi et au final, ça a proliféré comme pas permis. Donc, par exemple, si vous voulez beaucoup de fleurs d'une certaine sorte, n'hésitez pas aussi à la mettre ensemble. Donc, si par exemple vous avez 3-4 lys roses, on va dire, et que vous en voulez par exemple une vingtaine, mettez-les ensemble, arrosez-les, et ça vous donnera tout plein de lys roses. Ce sera même beaucoup plus rapide. Maintenant, ça pourrait redonner des fleurs rouges aussi. Donc là, je fais pareil, je fais revenir mon deuxième personnage. Mais voilà, franchement, c'est beaucoup plus simple en faisant déjà au moins à deux pour les fleurs. N'hésitez pas à le faire, à vous faire construire des arrosoirs dorés aussi. Ça, il y a toujours des gens qui pourront vous en faire un, même si vous n'avez pas le plan. En vrai, si vous voulez vraiment farmer des fleurs, faites-le avant de commencer à monter à 5 étoiles. Parce que vous aurez beaucoup plus de place pour les faire, donc vous pourrez vous étendre quasiment à l'infini. Ensuite, virez donc ce que vous n'avez pas besoin. Comme ça, c'est beaucoup plus simple. Après, ça prend du temps, mais bon. J'avais fait ça pour une de mes îles, donc il me fallait 40 sortes, enfin 40 fois 4 sortes de fleurs. Ça a été long, mais voilà. J'avais fait ça, donc au début j'avais demandé à des amis de m'aider pour arroser, avoir plus de chance. Au final, bah, j'avais même plus besoin de demander tellement il y en avait, donc j'avais très vite des hybrides. Donc aussi, donc plus vous aurez de fleurs d'une sorte, plus vous avez de chances d'en avoir, forcément. Même si les chances restent les mêmes, au final, c'est juste la quantité qui fait que vous en aurez. Logique. Allez. Petit arrosage de fleurs. En vrai, quand j'aurai un lys orange, je crois que je m'arrêterai là. Hein. Ce sera très bien. Je compte pas non plus avoir toutes les fleurs en 20 000 fois ici. Je veux juste une fleur de chaque. Comme ça, ben voilà. J'ai une petite idée en fait d'aménagement avec les fleurs. Je pensais faire un espèce de champ de fleurs, on va dire, mais avec chaque coloris, donc. On verra ce que ça donne. Je sais pas. Bon, ici, normalement, c'est une des plus simples à avoir, le lys orange, donc ça viendra très très vite. S'il faut, je vais peut-être même virer un lys blanc pour mettre un jaune en plus.
Je crois que je vais même arrêter de faire venir mon personnage Liberty. Là, ça devient un peu inutile en fait, puisque bon, ces fleurs-là, normalement, ça va très vite à venir. Bon, en espérant que cette fois-ci ce soit la bonne. Enfin, ce qui est pas mal là, c'est que sur deux arrosages, j'ai déjà eu 2 sur 3 hybrides. Tout va bien. Bon, comme j'avais dit, c'est pas les pires. Pour la vidéo suivante, d'ailleurs, ce sera pas non plus le pire du pire, hein, puisque ce sera pareil, exactement pareil qu'ici. Je crois que c'est les anémones, mais je suis plus sûre. Enfin, on verra. Ah. Ah bah c'est bien, c'est rien de neuf. Tes mots croisés, on s'en fout. Donc elle annonce ça parce que bah, on est dimanche sur cette île, donc il n'y a que dalle. Puisque le dimanche après-midi, il n'y a jamais rien. Ah. Ça c'est la JD. Allez, ciao. Alors, petite fleurette. Je sais jamais où elles sont. Bon. Bon, bah, je sais ce que je vais faire. Je vais déterrer déjà les hybrides jaunes. Enfin, les hybrides jaunes, ce sont pas vraiment des hybrides. Mais c'est pas vrai! Bon. Merci. J'ai enlevé enfin, toutes les blanches, non. J'ai enlevé une partie des blanches pour y mettre des jaunes. Je peux même un peu mieux répartir ça par après. Mais bon. Ici, je vais juste mettre les quelques jaunes. Comme ça, j'aurai plus de chances d'avoir des hybrides orange. Je vais peut-être répartir un peu mieux quand même. Et il me reste une rouge à placer. Ouais, mais c'est inutile ce qui est là en fait. Voilà. Et ici. Je vais mettre une jaune. Je peux mettre ici la rouge, ouais. Ça me paraît pas mal. Quoique. Non, c'est bon. Non, je sais comment je vais faire. J'ai inversé deux trucs. Donc je vais mettre la lisse rouge ici. Enfin, le lisse rouge. Et je vais mettre une jaune ici. Ce sera plus optimal. Et voilà. C'est quand même mieux comme ça. Ouais, j'ai plus besoin d'arroser les blancs. D'arroser tout ici. Ici, j'irai arroser l'autre jaune avec un arrosoir classique. Au moins, ça fera déjà moins gâchis.
Voilà. Je vais pas repasser donc avec mon personnage Libertile, pas pour une orange. Ça se fait normalement tout seul, ces fleurs-là. Là, j'ai encore optimisé donc les chances d'en avoir une orange. En fait, ce n'est que ça, de l'optimisation. Toujours optimiser ce qu'on fait. Réfléchir aussi pour éviter d'avoir des hybrides d'autres couleurs qui pourraient être dérangés à la pousse, on va dire, hein, puisque bon, voilà. Et ben voilà, toujours optimiser, toujours agrandir son champ avec ce qu'on récolte. C'est plutôt pas mal, surtout pour certaines fleurs qui sont difficiles à avoir, comme la rose bleue par exemple. Où là, bah, faut vraiment beaucoup. Et veillez toujours à avoir, donc, comme j'avais mis en diagonale, en fait. Ce sont comme ça, bah, ça prend. Vous avez plus de cases sur le côté qu'en mettant, par exemple, une ligne droite. Évidemment, donc le temps de chargement qui prend encore des plombes. Je passerai quand même un tour vu que je suis tout près. Hein. Qui sait, j'ai pas de chance dans les fleurs, j'aurais peut-être une chance dans les habitants. Bon après je vais pas virer maintenant. De toute façon, j'ai les amiibos. Hein. Juste par curiosité, voir qui c'est. Je parie qu'il va être orange juste pour me faire rager. J'allais dire, il y a un souci là. Ah bah tiens, Joe, un habitant orange. Enfin, une habitante orange. Qu'est-ce que je disais? Où sont mes fleurs? C'était quand... Ah, c'était ça. Okay. Bah ici, on a une fleur. Je vois pas si c'est de l'orange ou si c'est du rouge. On va le savoir. Pour moi, c'est de l'orange. Ah bah voilà, on a notre hybride orange. Donc voilà, donc... Maintenant, j'ai une plante de chaque. Donc ben voilà, donc j'ai réussi, j'ai eu mes petites hybrides que je voulais. Franchement, si vous en avez besoin de beaucoup, n'hésitez pas à vous arroser, arroser, vous faites arroser par des amis. Par exemple, si vous avez besoin de beaucoup de lys noir, n'hésitez vraiment pas à demander pour avoir 5 arroseurs. Ça sera toujours mieux que rien, quoi. Hein. Et vous aurez plus de chances d'en avoir, évidemment. Donc, bah, évidemment, vu qu'on vient de terminer les lys, donc je vais terminer la vidéo ici. La prochaine, ce sera... C'était quoi la prochaine? Ah, bah, les cosmos. Donc, c'est exactement pareil. Ça a l'air même plus simple. Enfin, plus simple. Non. Pas plus simple, mais il y a de l'hybridation d'hybridation, donc c'est encore mieux. Je pourrais vous montrer un truc en plus. Donc bah voilà, donc sur ce, je vous dis à la prochaine.